Oh là, quelle rapidité! Ah non. Oh! Mais what? Oh, oh ça recommence. Get down, son. Oh putain! La dinguerie à la fin! Get down, son. Oh, la dinguerie à la fin. La grosse dinguerie. Le daron de retour. Alors, on incarnait justement... Nous, on incarnait dans The Forest 1 le père. On incarnait le père de famille et notre enfant était Timmy. Timmy qui avait été kidnappé par des indigènes, on se rappelle, dans The Forest 1. Et là, on incarne Timmy dans ce nouveau Son of the Forest. Donc, le dégage-fils, là, on comprend très bien que c'est le père, donc le daron... Qu'on incarnait dans The Forest. Donc déjà, insane. Par contre, on s'est grave fait spoiler, du coup, j'imagine, une des scènes de fin du jeu. Puisque, pour moi, ce qu'on voit là, c'est clairement, de nouveau, un laboratoire. Et d'ailleurs, on voit des informations ici. Attendez. Exclusive Bunker Community. Un bunker luxurieux, machin, etc, etc. Luxurieux, je sais plus comment ça dit. Donc j'ai l'impression qu'ici on est nouveau dans un laboratoire, à moins que ce soit un bunker où ça ait très très mal tourné. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un laboratoire. On va aller jusqu'à la fin, voir si on a une date d'annonce pour Son of the Forest. Mais incroyable. Get down, son. Est-ce qu'on a une date? Le 20 mai. Oh, ça va être long. Janvier, février, mars, avril, mai. Oh, ça va être long. Ça va être long. Le 20 mai. Bon, bah, j'espère de tout cœur que cette date va être vraie et que le jeu sortira effectivement le 20 mai 2022 et ne va pas être encore repoussé. En tout cas, cette scène est incroyable. Mais le problème, à la fois aussi, c'est... Enfin... Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, mais j'ai peur qu'on ait été spoilé sur la scène finale. J'ai peur qu'on ait été spoilé. J'ai peur que cette scène-ci soit une des scènes de fin du jeu. Parce que bah, les bébés, c'est pas sans... On s'en rappelle, hein, les bébés dans, dans The Forest 1, on les avait principalement dans les grottes, mais aussi lors de la fin du jeu. Hein. Et donc moi, ça me fait grave penser à ça. Après le mutant, bah là ça me fait clairement penser aussi à la fin du jeu. Donc à voir. Alors bien évidemment qu'on le fera avec le binôme. Mais ça m'a l'air très très intéressant. Il y a aussi plein de nouveaux mutants. Il y a plein de nouvelles indigènes, mais qu'on cette fois-ci muté. Les indigènes, on les connaissait sous la forme classique. Et eux, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, on avait des mutations. Je dis des bêtises, il y avait des mutations dans The Forest. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Et autre truc qui me perturbe, c'est cette madame. Alors ça déjà, le craft très intéressant, mais au-delà de ça, cette madame là. Elle, j'ai l'impression qu'elle va bien pouvoir nous aider, elle, dans le jeu. Alors, il y avait eu un truc des devs qui avait été dit, je sais pas si cette information est vraie ou pas, mais il y avait des questions qui avaient été posées aux devs, et les devs avaient répondu qu'en fait, cette madame en question, tu pourras faire en sorte qu'elle soit ton alliée, donc qu'elle t'aime bien, ou qu'elle ait peur de toi.
Et je me demande justement si ça va pas jouer en fonction. Est-ce qu'il y aura pas des trucs à lui donner justement pour gagner des points envers elle et l'avoir à nos côtés, bah comme là, avec les armes et tout. Elle défendra la base. Je sais pas trop. Ça, c'est très très stylé. Les crafts aussi ont l'air d'être très stylés. Et au-delà de ça, moi ce que j'ai remarqué. Alors ça, incroyable. Incroyable ça. Il y a ça. Ah, le requin, par contre, ça me plaît pas. C'est la nana là. Et un côté Death Stranding, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Death Stranding quand je vois ça. Et là, le système de craft, donc ça m'a l'air d'être. Moi, au début, je pensais que c'était pas notre inventaire, ça. Je pensais au début que c'était pas notre inventaire et que c'était genre dans une base, en fait. L'inventaire que tu peux avoir dans ta base. Je sais pas, je sais toujours pas si c'est ton propre inventaire, mais en tout cas, très propre. J'adore l'inventaire. Ça m'a l'air très beau. Hein. Après, faut voir, pour le moment, c'est qu'un trailer. Je suis très très contente, n'empêche qu'on ait eu ces images. C'est beaucoup plus poussé. Le craft est quand même plus poussé. Les images sont. Enfin, le jeu a l'air d'être beaucoup plus beau déjà que le premier. Le premier, moi, je le trouve cool. Mais alors là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus beau quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça me hype. Honnêtement, ça me hype énormément. Je sais pas vous ce que vous pensez de ça. Mais le jeu, là, c'est trop stylé en fait. Ça, attendez, ça me perturbe. Ils sont cachés dans les fougères? On dirait qu'ils étaient cachés dans les fougères. Ah, ils se planquent. Ah, ils se planquent. Mais c'est comme aussi les dégâts, là. J'ai pas le souvenir qu'on pouvait faire ça dans The Forest. Dites-le-moi si je me trompe, mais j'ai pas du tout le souvenir qu'on pouvait faire ça. J'ai l'impression, là, ce mec-là, son bras, il est arraché. Et dans mes souvenirs, quand tu attaques un indigène dans le jeu, tu ne peux pas lui couper de membres pendant qu'il est vivant. Tu lui coupes les membres une fois qu'il est mort. Mais pour moi, dans mes souvenirs, tu peux pas les couper quand il est vivant. Donc si vraiment t'as ça là, en mode il recule parce qu'il a le bras, tu viens de lui couper le bras et tout, c'est très très stylé. Ah ça par contre j'aime pas le coup des requins qui vont se balader dans les caves là et tout, ça me stresse. Alors ça, ma trypophobie, là je suis en sueur. Moi faut savoir que je suis trypophobe, donc autant vous dire que quand je vois ça, je suis pas bien. Ah et ça me dégoûte, putain. C'est affreux, ça me dégoûte. Voilà, et là par contre, on est sur un bel inventaire. On a de la nouille, on a de la boisson, on a des barres, les barres qui reviennent. C'est quoi ça? Je sais pas, de la viande, je dirais. Là, ça doit être la viande, là, genre du bœuf séché, des trucs comme ça à bouffer. Les cartes graphiques qui sont de retour, les bombes, les sticks, les explosifs, les molos, j'imagine. Couteau, flashlight. C'est un GPS. Là, il y a le téléphone. Je sais pas à quoi il va servir le téléphone. Ça peut être très stylé. Comme là, il a le bras coupé encore une fois. Tu peux le. Il recule parce qu'il a peur du. Parce que là, tu leur montes une tête, ils ont peur. Ça, très stylé par contre. Le fait de pouvoir taper dessus pour du coup le passer en mode pique, très stylé. Que dire à part j'ai hâte, tout simplement. J'ai très très hâte d'être le 20 mai et de voir Son of the Forest, de pouvoir le tester. Franchement, les devs, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer une clé en avance, hein, vraiment, parce que j'ai envie de tester le jeu, moi, il n'y a pas de souci, hein.